tous et bienvenue dans cette nouvelle bulle de méditation de la semaine, toujours tirée de l'oracle de Lise Bartoli et illustrée par Lucie Yonnet, l'oracle « Je réveille mes pouvoirs ». Donc notre méditation de la semaine s'intitule « Mon souffle coloré ». C'est une carte d'apaisement et la petite phrase qui est associée est « Ma couleur douceur s'installe en moi ». Donc, vous avez sous les yeux, encore une fois, une très belle illustration de Lucie Yonnet, d'une femme allongée dans l'herbe qui est tellement relaxée qu'elle a l'air d'être dans sa bulle. Elle est vraiment dans l'ici et maintenant, dans la détente, dans le lâcher prise. Et elle est complètement coupée de son environnement, dans sa petite bulle. Une bulle rose, une bulle colorée, une bulle de bien-être, une bulle qui l'accapare complètement de la tête, mais qui a l'air de se diffuser dans ses pieds, dans tout son corps. Elle lâche prise, elle est dans la nature, elle est dans ce lit de fleurs et d'herbes, et elle semble parfaitement relaxée, détendue. Elle est dans son moment présent, elle est à l'intérieur d'elle-même. C'est très apaisant comme image. Et d'ailleurs, c'est une carte d'apaisement, donc c'est parfait. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de bien vous installer confortablement, de vous isoler dans un endroit calme, si ce n'est pas déjà fait, de vous couper. Vous aussi, comme cette petite personne qu'on a sous les yeux, dans votre petite bulle à vous, pour quelques minutes. N'hésitez pas à mettre des écouteurs si ça peut vous aider encore davantage. Et laissez-vous porter par l'enseignement d'abord de Lise Bartoli. Et dans un second temps, nous passerons à la méditation. Donc, Lise Bartoli nous dit qu'il est admis que le souffle est fondamental, et que si l'on souhaite retrouver une forme de sérénité, mais pas n'importe lequel, lorsqu'ils arrivent au monde, les bébés y respirent avec une respiration ventrale qui est reconnue pour être bienfaisante pour tout le corps. Et avec le temps et le stress, on remplit principalement les poumons et on oublie sans s'en apercevoir la lente respiration abdominale, et c'est bien dommage. Alors, en redécouvrant votre respiration naturelle, on réapprend à se relâcher, à ralentir son rythme cardiaque et à mieux oxygéner nos cellules. Si on ajoute une couleur que l'on relie à l'apaisement, on peut encore plus facilement se concentrer sur le chemin de l'air et le suivre dans notre corps pour le guider plus bas. On installe alors une détente profonde qui procure du bien-être tant à notre corps qu'à notre esprit. Alors, dans la position que vous souhaitez, prenez au départ le temps d'accueillir votre respiration. Elle est peut-être rapide ou lente. Amusez-vous à suivre l'air que vous inspirez. Va-t-il uniquement dans les poumons? Va-t-il plus bas dans le ventre? Accueillez sans juger. Puis imaginez que vous avez une peluche sur le ventre que vous pouvez soulever rien qu'en inspirant. Et cette peluche redescend dès que vous expirez. À l'instar d'un ascenseur, amusez-vous à l'imaginer descendre plus bas pour monter plus haut. Ensuite, imaginez autour de vous une belle couleur bleue, verte, rose, blanche, dorée ou n'importe quelle couleur qui vous vient par l'esprit. La première teinte qui vous tient à l'esprit.
Sentez avant tout que c'est une bonne couleur. C'est votre couleur d'apaisement. Elle est unique. Une fois que vous serez prêt, inspirez cette lumière colorée pour la guider jusque dans votre ventre. Plusieurs fois, jusqu'à éprouver dans tout votre corps cette relaxation. Vous pouvez voir ou ressentir cette couleur partout dans le corps maintenant. Profitez de ce moment pleinement. Plus vous ferez appel à ce pouvoir, plus la couleur vous apaisera rapidement quand vous en aurez besoin ou envie. À présent, je vais vous laisser méditer, revenir tranquillement dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. En ouvrant vos yeux tout doucement.